Cher Georges Brassens, ça fait déjà un bail que tu nous as tiré tes révérences, mais ma mémoire veille toujours sur son chemin de ronde. Fin des années 60, une petite ville du Midi méditerranéen. Ce soir, au théâtre municipal, Georges Brassens avec en première partie une chanteuse scandinave, un célèbre fantaisiste et moi, qui ne suis pas marqué sur les affiches de la tournée. Pourquoi moi? Parce que je suis de la ville, célèbre à l'intérieur des boulevards à platanes pour mes chansons en languedocien. Claude Marty, chanteur patois, une curiosité sympathique qu'il ne faut en aucun cas manquer, assure la chronique locale du quotidien départemental. Pourquoi moi? Parce que Jeannot, le directeur du théâtre, m'aime bien. Sur une balai maniaque, tu es un vaillant petit, avec un peu de métier, tu vas faire péter les planches. Pourquoi moi? Parce que mon copain Henri Gougaud en a aussi parlé à Georges, et que Georges a pris le temps d'écouter les quatre chansons de mon premier 45 tours, et qu'il a dû me trouver vaillant, lui aussi. Bref, j'attaque à 21h, et j'emmène pas large. Putain, Brassens. C'est un peu comme si je jouais à l'ouverture de Villon, de Rimbaud, de Machado ou de Bruant. Mais tout d'abord, il faut organiser le déroulement du spectacle. Sous la houlette de Jeannot se tient donc une sorte de briefing cassoulet auquel participent Georges Brassens, la chanteuse scandinave, le célèbre fantaisiste, le régisseur et moi. Bien, résumons-nous. En entrée, Claude Marty, c'est bon? Parfait. Et pour combien de chansons? C'est là que certains nez s'allongent. Étant donné que le spectacle doit se terminer à 23h30, va falloir rogner un peu sur la part de chacun et la première partie se voit mal amputée d'une fraction, si minime soit-elle, de son tour de chant proclamé d'entrée incompressible. Pourtant, faut bien trouver un créneau pour la spontanée. Difficile négoce. Pendant toute la durée des pourparlers, j'écoute sans piper mot. Je ne suis que l'invité. Le père Georges, lui, n'intervient pas. L'air absent, il joue avec son rond de serviette. Fin finale, voici ce qui sort du chapeau. Je pourrais bénéficier d'un espace de 3 à 4 minutes et me choisir une chanson en conséquence. Allez, maintenant que c'est réglé, on peut passer au café. Non, ça ne va pas. Là, c'est Georges Brassens qui s'est levé et qui parle. Ça ne va pas. Personne ne peut se défendre avec une seule chanson. Alors voilà, Claude Marty chantera autant qu'il le voudra. Et c'est sur mon tour de chant qu'il prendra. C'est de mon temps qu'il s'agit. Est-ce que ça va comme ça? La première partie officielle pique du nez dans son assiette. Quant au régional de l'étape, il s'embourbe dans l'émotion. Je m'entends bredouiller, je sais pas quoi dire. Georges se marre. Et alors ne dis rien, et pense à boire ton café, il n'y a rien de pire que le café froid. À toi Georges, ce souvenir d'il était une fois, et qu'il t'accompagne, là où tu es, là où tu vas, comme un petit bouquet d'immortels.